bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour du gros farming, pour ceux qui adorent ça. Bah écoutez, ça va vous plaire parce qu'aujourd'hui les gars, on va en taper du Ouga. Bah écoutez, là c'est mon dernier donjon. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous vu que c'est le dernier. Et forcément c'est le dernier qui est, j'ai envie de dire, un petit peu d'une longue liste. Faut savoir que j'ai quand même plutôt bien farmé le donjon. J'en ai actuellement 16 ou 15 captures, je sais pas, je vais revérifier maintenant. D'ailleurs, alors Lynn, il y a là combien? D'ailleurs, regardez le petit Minowang. Oh, il est trop beau ce Minowang que j'ai droppé. Ouais, j'ai 15 captures Ouga. Ce qu'il faut savoir, je vais vous dire tout de suite juste avant de lancer le combat et avant de farmer. J'ai 15 captures Ouga avec un bonus de récompense de 50% d'XP drop. J'ai été regardé hier en HDV, il n'y en a pas des comme ça, des bonus 50%. J'ai vu qu'il y avait des bonus 20% je crois, ou 30% qui étaient à 700 ou 800 000 kama. Autant vous dire que si jamais je pouvais revendre le tout, ça serait intéressant. Mais bon, je vais d'abord essayer d'up bien évidemment mes sadis 200. Ça fait quand même 2-3 jours, hein, je ne vous ai pas vraiment parlé des sadis d'A. Ils sont actuellement niveau 199, donc je les ai up hier. Enfin, ils étaient 199. Enfin, il y avait une des deux sadis qui n'était pas 199, du coup, j'ai up hier. Et là, ils sont déjà à 40%, juste en faisant 3 donjons à peine Ouga. Enfin, voilà, c'est autant vous dire, l'XP est vraiment bidon dans ce donjon. Et sinon, autre chose, j'ai juste un screen à vous montrer. Alors pour ceux qui n'ont pas vraiment vu sur ma page, j'ai créé un post voilà, où j'ai pris, bah c'était hier justement je crois, j'ai pris 130 millions d'XP en 6 minutes avec le châle Blitzkrieg et pétulant tout ça en idole corps à corps. Magnifique, j'ai rien d'autre à dire. C'est dommage par contre, j'ai pas droppé de Minowang dans ce cas précis. Par ailleurs, c'est vrai que quand j'avais droppé, les gars, le Minowang, hein, d'ailleurs, je sais pas si j'ai encore le screen ici. Ouais. Quand j'ai droppé le Minowang, les gars, j'avais pas de prospection, hein, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, Joy, t'avais une team PP, etc. » Non, l'Eniripsa avait 134 de prospection. 134. Voilà. Ma team, tous les autres persos ont 100, 120. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer, je peux voir la prospect ici, regardez. Voilà, donc Panda, 100 prospect. Kra, 134. Yop, 131. Zobal, 158. Eni, 134, comme je viens de vous le dire. Enu, 120. Sadi, 142. Et la deuxième Sadi, 158. C'est bien ça, ouais, 158. Ce qui me donne un total de... Bah, a priori, là, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas écrit le total. Bon, c'est plutôt étrange. Bref, on va arrêter de blablater aujourd'hui, les gars. Donc, dernier donjon. Ça me fera 16 captures. Ensuite, on ira en arène parce que du coup, j'ai envie d'up ces deux Sadi. Une fois que ces deux Sadi seront au niveau 200, on va aller... Enfin, je vais aller acheter les stuff. D'ailleurs, je pense pas le faire en vidéo, les gars, parce que... j'ai oublié de... Ok, bon, bah, premier fail de cette vidéo. C'est super. J'ai oublié les idoles. Ouais, en soi, j'aurais pu les mettre dans le combat. Je vais vous montrer du coup la compo d'idole que là j'utilise depuis maintenant 2 jours. Tiens, d'ailleurs, la musique est revenue. Donc le Yosh majeur, du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté. Et maintenant, ce que je joue, moi, c'est Yulu Magistral. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ce qui me donne un score de 295, presque 300 pour du full corps à corps. Donc c'est vraiment magique parce que regardez, je prends 44 millions d'XP no châle avec mes Sadi. Qui n'ont pas de bonbons sagesse, et d'ailleurs que je vais en donner, je vais leur donner des bonbons sagesse quand j'irai en arène tout à l'heure. Normalement elles seront au niveau 200 ce soir. Est-ce que j'ai filmé le level 200? D'ailleurs, est-ce que je vais up 200 dans cette vidéo? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais bon. Donc le Ouga, bon, j'ai fait tous les placements possibles d'ailleurs par rapport au Ouga. Je vais juste mettre les deux Sadi, je pense, là-bas, parce que là, sinon il va me faire yesh. Voilà, parfait. Le Yop plutôt ici. Lenny, on va plutôt la mettre ici. Lenny, j'ai bien mis la pierre. Je crois que j'ai pas mis la pierre. Si, si, c'est bon, j'ai mis la pierre. Et puis le crâne, on va mettre ici. Je regarde une vérif... À chaque fois, je vérifie. Hein, vraiment, pour pas me fake, la pierre, elle est là. Le panda, tout le monde est OK, normalement. Il y a combien de personnages? 8 personnages. J'ai quoi comme châle? Magique. Ouf. Le deuxième est pas incroyable. Le premier est magique. Mais le deuxième est vraiment... je m'attendais à pire... Enfin, je m'attendais à mieux plutôt. Ce que je vais faire, bah, je vais vous montrer ce que je fais. Enfin, il me semble que je vous ai déjà montré une vidéo où je vous montrais même peut-être plusieurs. C'est simple, je vais faire un double. Je porte le Ouga, je fais un double vu. Quoique, attendez, là, je vais peut-être pas le finir. Parce que Mystique, du coup, mon crash peut pas roxer comme je veux. Et regardez, je prends vraiment hyper cher. Ah, quoique, je fais quand même des dégâts assez importants. Bon, bah, c'est parti, les gars. Hein. Ça aussi, ça m'arrange pas parce que je vais sans doute devoir faire des dégâts sur Lenny.
Bref, regardez, hein. Le combat vient de commencer, le gars, il lui reste plus que 5000 points de vie. Ça, en fait, les gars, c'est la puissance d'une team dans Dofus. Voilà. 4 personnages, 10 000 points de vie dès le tour 1. C'est ça que j'adore, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé une team, les gars. Il n'y a pas d'autre raison. Enfin, plus ou moins. L'ennemi qui est quand même très loin, donc je vais éviter de faire n'importe quoi. Voilà, je vais tuer le gars avec l'ennemi. Je vais pas, du coup, me galvanisant, c'est dommage. Pouvoir, j'ai pris quand même assez cher, là, niveau... je vais me prévenir un petit peu. Donc là, bon, ils ont déjà gagné les PM, mais au moins, Lugia, les gars, il est mort au tour 1. Le combat est déjà gagné d'avance. Mais c'est vrai que Mystic, c'est un très bon châle. D'ailleurs, c'est un châle que j'ai, il faut le dire, assez rarement. Je vais balancer un petit coffre des familles ici. Donc ce tour-ci, bon, je vais vous montrer, du coup, ça va être vraiment du classique. C'est juste dommage pour Mystic. Bon, dommage. Je suis content quand même, hein, qu'il y ait le châle Mystic, mais maintenant, avec mes mules, là, je vais passer. Mais c'est vrai que Mystic, bon... Très, très bien comme châle, mais du coup mon Kra va pas non plus là, parce que j'ai pas besoin de Vuvu généralement, parce que ils ont que 4000 points de vie, et 4000 points de vie, ça se tombe quand même relativement très très vite. Là le Yop par exemple, il va s'en faire un. Là les tromperelles, ils ont, oula, regardez, je prends quand même assez cher mine de rien. Ouais, là mon Kra qui prend cher. Bon, après si mon Kra meurt, on s'en fout, hein. Vous savez, moi je suis pas à ça près généralement. C'est pas non plus dramatique, mais va falloir que je pense à balancer des points de bouclier, parce que bah, premièrement ma Nini elle capture et j'ai besoin de les Nini en vie, et puis parce que j'ai pas envie que tous mes persos crèvent. Enfin généralement il n'y a aucun de mes persos qui crève, c'est très très rare, surtout quand je tue le Hogan en premier. Bon, il faut savoir que le combat d'avant, les gars, il était horrible, hein. Le combat d'avant, le Hooga d'avant en boss, c'était horrible parce que j'avais le châle partage. Je tiens à faire le maximum de châle, hein, quand je fais un Hooga, même si ça me rajoute beaucoup plus de temps. Et donc j'avais le châle partage. Et c'est vrai que c'était quand même assez frustrant. Et le châle partage, et j'avais également le châle Hooga en dernier. Donc imaginez le truc, j'ai réussi à faire les deux, hein, j'ai pris 100 millions d'XP. Mais c'était ultra chiant, j'ai mis en plus énormément de temps. Bon là par contre, faut vraiment pas que je me faille, hein, pour le... Oula, attention le petit Lapino. Je vais donner des PM, pourquoi pas. Non, franchement, ça sert à rien. Pourquoi je donnerais des PM? Je vais passer. Bon, j'aurais dû me chance ou j'aurais dû faire des trucs, mais c'est pas grave. Donc, juste après, les gars, on ira du coup en arène taper quelques captures histoire de voir. Si en arène, je gère bien. J'ai jamais fait de Hooga en arène. Putain, 8, ça me dit rien. Ça me dit rien. Bon, là, normalement, le Yop. Ouais, non, allez, je vais le tuer quand même. Ouais, de toute façon, il y a un deuxième tromperelle, j'avais pas vu. Et je vais me faire plaisir, les gars, parce que c'est le but d'Andofus. Allez. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment la mode, hein, de jouer corps à corps. Je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui jouent distance. Parce que les gens qui jouent distance, à l'heure actuelle, ils ont des compos où ils se font toucher, ils se font tuer. Tout simplement. Vous faites une erreur, vous avez un bug de connexion, vous êtes mort. Alors que le corps à corps, non, le corps à corps, moi je peux me prendre des dégâts à droite à gauche. De toute façon, j'ai les points de bouclier, j'ai le soin, même si jamais j'ai un bug de co, je peux me reconnecter. De toute façon, comme je vous l'ai dit encore une fois, j'ai les points de bouclier. Là, regardez, le combat est quand même relativement très rapide. Je vais juste éventuellement donner des PB. J'aurais pu faire un record temps, mais là, je suis en train de prendre mon temps, mine de rien, j'ai l'impression. Je vais booster, soigner. Je vais capturer maintenant, histoire que ça soit fait. Et avec les nuits, on va finir. Avec les nuits, on va finir. Là, par contre, je vais prendre quelques dégâts, on dirait. Alors. Non, dommage. Ouais, je vais prendre des dégâts parce que là, le champagne, je viens de la booster. ouais, regardez, là je viens de le booster et il va taper. Même pas, il tape pas. Bon, bah tant mieux. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Allez, ça c'est fait. Bon, bah combat plié. J'ai bien capturé, hein. Tout se passe bien dans le monde des 12. Ok, tout se passe bien. Et normalement, le combat est plié. C'est dommage aussi, le Zobal il peut pas taper au cac. Pourtant, c'est. Bref. Alors, combien? Minowang peut-être? Deuxième Minowang en vidéo. Oh là là, j'ai pris du Omega.
83 millions, 5 minutes, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Autre chose que je n'ai pas dit, les gars, parce qu'il y a quand même des trucs que je ne souligne pas dans les vidéos, quand je vous parle du Ouga, regardez quand même le drop. Ça, c'est un drop automatique, hein, les yeux d'Ouga. Ça coûte 7000 kama unité. C'est-à-dire que par donjon, 7 x 8, ça fait 56. 56 000 kama par donjon. Quoi qu'il arrive, juste avec des yeux d'Ouga. Donc ce donjon est totalement rentable. Et par moment, regardez, je drop des fragments d'Ouga roulette. C'est pareil, ça coûte 6000 kama environ. Autant vous dire, regardez, hein, trompe de la tromperelle, c'est pareil. J'en drop quand même pas trop mal. Bon, là, on avait qu'un châle, mais c'est quand même rentable. Bon, bah, du coup, les gars, je vous donne rendez-vous en arène. À tout de suite. Juste avant d'heureux, j'ai up Omega. Et puis voilà, bon bah ça fait toujours plaisir. 284. Ok. Ok, bien les gars, donc c'est parti du coup pour l'arène. C'est vrai que j'ai quand même 16 captures, c'est ça. Je sais pas en fait si j'ai envie de tous les faire. Parce qu'en soi, en fait, ça me dérangerait même pas d'aller refarmer le donjon, mais il me semble qu'il y a même plus de clés en HDV. Il faudrait que j'aille les crafter et... Ça me fait un peu chier parce que dans les clés il y a du dolomite. Et dolomite, c'est vrai que ça coûte un petit peu de kama, quoi. Mais bon. Parce que c'est vrai qu'en fait faut savoir que j'avais acheté les clés par 100 de base. Mais bon. Du coup, alors j'ai la petite capture. Bah du coup là ouais, j'aurais plus besoin. Allez, on va commencer dès maintenant. On va rusher, hein, bien évidemment. Donc 50% je prends, donc j'ai pas mis les idoles ou quoi. Pourquoi je prends aussi peu? J'espère que c'est un bug. Ouais non, ouais, il est pas compté. Le 50% les gars n'est pas compté, hein. C'est normal du coup que je prenne que 30 millions d'XP environ. Alors je crois que du coup les idoles sont bons, j'ai pas à faire ça, hop. Du coup bah les gars c'est parti, hein, on va arrêter de blablater. Alors, ah bah ça c'est parfait, le gars il est vraiment très très bien placé. Ah c'est vraiment parfait, hein, les gars, donc ça va être vraiment le tout premier que je vais faire en fait en arène. Et je vais voir si je peux vraiment le faire rapidement. Bon, je suis quand même plutôt bien placé. Panda, est-ce que je peux balancer sa variante consolation? Ouais. Voilà. Parce que comme ça, je peux attirer. Ok. Ah, deux très bons châles. Enfin, le premier est excellent, le deuxième est moyen. Mais ça reste du bon châle. Surtout que, regardez, je vais toujours faire la même chose, les gars. Tout le temps, je porte. Double vu, stab, et c'est bon, adieu le Ouga. Il est... Bah là il est mort du coup. Donc je vais essayer de le finir si possible avec une des deux sadis. Comme ça je serai plus ou moins tranquille. Ok bon. Ce combat commence très bien, hein. On peut le voir. À partir du moment où tu crites pas quand t'as 93% crit. Mais bon c'est pas grave, hein. C'est pas grave. No problem guys, no problem. Je vais taper, hein, mon The Ball. Attention, KK2000. Toujours pas de crit. Non, non, bah non. 56% crit, c'est pas suffisant. Allez, cette fois-ci, on va invoquer de la Pino parce que je sais que. Ah, quoique, ouais, bah oui. J'aurais juste à axer les sadis. D'ailleurs, les gars, je savais pas que mode abnégation ça a donné pendant deux tours. Je l'ai su seulement tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Oh là là. Il va falloir que je termine avec les énus, hein, sinon. Avec les sadis, pardon. Et si possible, avec la première. Alors, cac, combien? Ok. Ah, seulement. Ok, normalement c'est fond, c'est bon, c'est normalement c'est fond, c'est fond. Ouais, normalement le premier ça dit. Donc c'est qui? C'est Mastic. Bon, je déteste le châle partage, mais je vais quand même le faire, hein, parce que j'ai envie. Attention. Ah, je tape rien du tout. Ah, c'est bon, je finis. Alors c'est qui l'a fini? C'est Caustic. Donc moi je mets tout le temps. Hop, je tape Caustic. Elle, c'est bon.
Quand il y a le partage en tout cas. En vrai c'est pas plus mal en fait de le faire en arène. Du coup Mastic vaut mieux que je le mette pas trop loin non plus parce que je vais donner des points de bouclier. Par contre, toi tu vas jarter. Toi tu vas jarter aussi. Hein. Je déteste ces mobs là. Je vais faire consolation. Ouais en fait non je peux pas le faire, il faut être en état sobre. Je regarde, ouais bon bah écoutez c'est parce que du coup je suis en état saoul, c'est pour ça. C'est pour ça, mais c'est pas grave. Eh bah bien sûr, ce n'est pas grave parce que du coup, ah là j'ai fail. Je peux toujours porter jeter. Donc la première sadie c'est fait, les tromperelles vaut mieux les tuer rapidement parce qu'ils ont plein de poisons vraiment dégueulasses. Ça serait vraiment horrible de les laisser. Je vais peut-être en tuer un avec le Yop. En vrai non je pense je vais le laisser. Attendez. Je vais le laisser pour le Zobal ou quoi. Voilà, petit demi-5, bon, ça crit pas parce que je suis pas un sûr de CC. Je vais me donner des points de bouclier, hein. Là il est temps d'ailleurs. Je finis avec le Zobal ou pas? Ouais allez je finis. Je donne des points de bouclier. Je mets un plastron pour quasiment tout le monde. J'ai pas crit, c'est dommage. Du coup, le Zobal est fait. On va le taper dans le bloc-notes. L'ennemi maintenant. Donc, c'est parti. Il y a toujours... Ouais, le cry, faut quand même que... faut que je donne de la puissance. Donc, mode abden. Hop, hop. Voilà. Et on va taper. Donc, ce qui est cool maintenant, c'est qu'en arène, en fait, les gars, je garde le corps à corps de l'ennemi. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que... C'était chiant, en fait, à chaque fois de l'enlever. Et surtout de capturer parce que des fois il y a des combats où mon ennemi c'était un peu le mal quoi, où je me faisais tuer. Du coup Caustic c'est bon hein. Là je peux limite la suicide. Enfin je vais full passer. Mais Mastic faut que je termine au plus vite parce que c'est vraiment mes persos ça. Oh j'ai oublié d'acheter un bonbon. J'irai acheter un bonbon juste après ce combat. Donc le panda j'ai toujours pas. Pourquoi je tape aussi peu? Panda, j'ai tué personne. Hein. Allez, bah ça va être le premier avec le panda. Je sais pas pourquoi je tape aussi peu. Qu'est-ce que c'est que ça? On va peut-être enlever des stats. Non, ça m'étonnerait. Bon, le cra, j'ai toujours pas fini non plus. Si je dis pas de bêtises. Le cra non plus. Donc, panda, c'est fait. Zobal, c'est fait. Premier sadi, c'est fait. Bah écoutez, si le cra, c'est pas fait, ciao. Hein. Ok, ça crit toujours pas. Cra, c'est fait. J'ai combien de crit avec le cac? 94, ah d'accord, ok. Non, excusez-moi, c'est pas suffisant. Ça, je leur dis tout le temps, peut-être que je vous fais chier avec ça, mais 94% de chance que ça crit, c'est pas suffisant. Excusez-moi, autant pour moi, Ankama, autant pour moi. Mais par contre, une chance sur 4000, là, j'arrive à faire en sorte que le Minowang drop. C'est ça qui est marrant avec moi. J'ai pas de chance sur 94%, mais sur 0,024% de chance, là j'ai de la chance. Le cra fini, il reste combien de mobs là? 4. Zobal a déjà fini, hein. Ouais, le Zobal a déjà fini. Du coup, bah je vais taper, je vais affaiblir. Lenny, je crois que n'a pas encore fini. Combien au cac? Crit pas non plus, t'inquiète, va, c'est pas grave. Lenny n'a pas fini, hein. Lenny n'a pas fini. Ok Lenny, je déteste le châle partage hein, parce que c'est un des châles où je mets vraiment le plus de temps. Parce que forcément faut que tous mes persos tuent un mob. J'ai pas le choix. Luma Sadi, elle est ici. Ça serait cool, j'ai pas sort d'accélération. Je vais pouvoir tuer personne avec la Sadi. Je vais passer ici. Je vais passer ici. Alors, du coup, il manque qui là? Qui c'est qui n'a pas tué? Le Yop, a priori, n'a pas tué. Deuxième Sadi, donc c'est Mastic. Et le dernier, c'est l'Enu, je crois. Voilà. Donc nous avons Yop, Enu et du coup, le. Yop, Enu et Sadi. Ok, bon, bah super. On va essayer de. Donc Yop est nu, hein. Donc le Yop, c'est quand même très étrange qu'il n'ait pas encore terminé. Bah, je vais peut-être lui faire un petit kiff et je vais le laisser terminer.
Donc le crâne est déjà tué, hein. Faut pas non plus fail. Allez, donc le yop, c'est fait. Ciao. Hasta la vista, baby. Hop. Yop, c'est fait. Il manque plus qu'Enu et deuxième Sadi, c'est super. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va donner des PB justement à l'Enu et au Sadi. On va peut-être aussi... ouais, allez, hop. On va aussi, pourquoi pas... ouais, plus de... Faut faire chier, ça. J'ai pas le sort mauvais vivifiant, j'ai oublié de le mettre. Oula, par contre j'ai pris cher. Ouais. Bon bah du coup, je vais tuer avec les nus. Je vais donner des PM à Mastic. Par contre, il faut que je... Il faudrait que je la finisse, elle. Ouais, ça va être large, normalement. Oula! Normalement, ça passe, hein. Et hop, les double châles. Oui, 114 millions d'XP. En combien de temps? 8 minutes 20. Ok, bah c'est propre. J'ai juste... Normalement, j'ai pas racheté des bonbons. Non, bon, bah il va falloir que j'en achète. J'en avais déjà, normalement, des bonbons. Donc 114 millions d'XP. C'est pas mal. C'est pas mal pour une première capture. Franchement, c'est pas mal. Bon, 8 minutes avec le châle partage, c'est vraiment pas trop mal. Je regarde juste, normalement j'ai pas des Shigekax là. C'est dans friandise. J'ai plein de bonbons mais j'en ai aucun de sagesse. J'ai pas de bonbons, ouais, c'est des Mirabelles. Bon après je suis pas obligé d'acheter des bonbons mais c'est juste pour le kiff quoi du niveau 200. Je crois que ça coûte pas trop cher, hein. Je crois que ça coûte 240 000 K je crois. Aux dernières nouvelles. Hein. Acidulé. Ouf, 300 000. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Genre, j'en achète que deux, hein, de toute façon. Je vais up 200 dans une dizaine de captures, même pas. Du coup, là, je suis à combien de pourcents? Je suis à 50%, regardez, les gars. Il me reste plus que 900 millions d'XP. Mais imaginez si je droppais un deuxième Inowang, là, devant vous. Ah, je pense que là, je me préparais pour aller dropper le Vulbis, hein. Parce que ça serait n'importe quoi. J'ai pas besoin du bonbon, mais j'ai envie de voir, je monte à combien de... En Oshal. Est-ce que je monte à 50 millions? Non, ça m'étonnerait de prendre autant. Ouais, de toute façon, non, en vrai, je pourrais pas le voir, parce que le 50%, en fait, il l'applique uniquement à la fin du combat. Du coup, je suis à combien de sagesse? 974 de sagesse. Mais c'est parce que j'ai pas de familier sagesse. Parce qu'en Kama a nerfé les dragoons, tout ça, les Tifux. Donc là, j'ai 966, du coup... Bon bah je sais pas, je prendrai combien en Oshal, c'est dommage. Bref, stop les blabla. Et c'est parti. Du coup je suis en 90% d'XP guild hein, sur tous mes persos sauf les deux Sadi et le Kra. Oh, ils sont hyper loin, qu'est-ce que je fais? Non, j'invoque pas de PO, j'ai pas envie d'invoquer de PO. Oh, ils sont hyper loin, c'est frustrant ça. Ouais, parce que moi j'ai envie de tuer le... J'ai envie de tuer au tour 1, moi, le... Le Ouga. Comment je vais faire? Il faudrait que le Yop commence avant. C'est possible? Ouais, mais s'il commence avant, je pourrais pas le tuer. Non, c'est mort. Bah, pff, je sais pas. Je sais pas. Ouh, super châle. Ah, c'est plutôt chount comme châle. Je sais pas si je... Normalement, je peux la tirer, là. Je suis en état sobre. Bon, écoutez, les gars, j'ai rien compris au sort. D'accord, c'est l'allié, en fait. C'est l'allié, voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Je suis bebeu et puis c'est tout. Là, ça a rien de le vu. En fait, consolation, je pensais que c'était sur les ennemis aussi, mais pas du tout. Du coup, le sort est totalement inutile. En fait, épouvante, c'est beaucoup mieux. C'est dommage. Après, je pense que le panda aurait été trop shit, hein, qu'on se le dise. Tant pis, je vais le tuer autour d'eux, et puis voilà, hein, je vais me booster, et puis... C'est juste un petit peu chiant, parce que du coup, le Ouga, je vais devoir le debuff.
Mais du coup, là, vu qu'on a un châle tout main propre, franchement, honnêtement, de vous à moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie parce que les poisons, en fait, ils sont réduits aussi hein, dans le. Quand vous mettez le cube, au cas où si vous ne le savez pas, les poisons sont réduits de 80%. Que vous soyez au cac ou pas, hein. J'ai déjà essayé, plusieurs fois même. À chaque fois, même, déjà, je pense que ça va me. Ça va le faire, mais pas du tout. Après, je peux quand même tenter hein, le châle. Main propre, mais. On verra bien. Du coup, là, je peux pas m'auto-soigner avec les nids, ça va être chiant. Parce que j'ai déjà perdu pas mal de. Je vais donner des PM au Yop. Panda, pardon. Je vais quand même invoquer le Lapino qui va soigner les autres. Je vais. Ouais, putain, encore une fois, à chaque fois, les gars, j'oublie. Mot vivifiant, je le fais jamais. Je l'active jamais. Alors que c'est la base. Donc, mon Galva. Je vais me prêter parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup de. Par contre, mode abnégation, je le fais. Hein. En plus, j'avais pas vu encore une fois ces deux tours mode abnégation. 250 puissance pendant deux tours. Jamais vu un sort aussi incroyable. Je peux invoquer hein, la gonflable, éventuellement. Ouais, ça pourrait soigner les lignes, ça c'est une bonne idée. Et normalement, ça rate pas le châle. Hein, abnégation, c'est uniquement si vous soignez vous-même le même tour. Alors, regardez. Bon, en plus, Lugia va invoquer. Hein, ça, j'avais oublié de le dire. Du coup. Il est loin en plus, il est loin. Mais normalement, il va venir vers nous. Oh non, il a invoqué la pire bestiole du jeu. Enfin, du Ouga. Donc, il a fait sport en chambre. Donc, ça, si je le débuffe pas, je suis dans le mal. Donc, je vais faire ça. Je vais débuffer WV. Bah, c'est parfait en fait. Parce que du coup, je peux faire ça et stab. Et voilà, le combat est géré. Plus ou moins. Et là, regardez, hein, je suis en ébuba, les gars. Mes zéniths, franchement, Yup Air, faites-vous un Yup Air. Hein. Ceux qui regardent cette vidéo, les gars, c'est n'importe quoi. Allez, du 5000 au calme. Bah, je vais essayer de le tuer en deux. Ah, bah non! Oh là là, je vais essayer de le tuer en deux pouces. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas le tuer en deux pouces si je l'ai. Si je l'ai stab. Et le Zobal qui fout. Ouais, toujours pas de crit au cac. C'est dommage, hein, parce que franchement, le cac du Zobal, les gars, il est incroyable. Plus, plus. Hein. Bah, je vais peut-être essayer d'invoquer un. Ah, je le tue au cac. Ouais, non, mais là, je le tue. Je fais quoi? Je fais main propre ou pas? 95%. Franchement, c'est trop 95%. Donc, je vais essayer de le faire. Surtout que là, il est quasiment mort. Bah, là, j'invoque une arachne et c'est bon, il est mort. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs avec les nus. J'invoque une arachne. Ah bah non, je peux pas faire. Logique, j'ai pas de stuff. Attendez. No stress. No stress, y'a point S. Allez, dites au revoir. Ouais, mais après, faire ça sur tous les mobs. Oh là là. Bah, vaut mieux que je m'y prenne très tôt, hein. Vaut mieux que je m'y prenne vraiment très tôt et surtout que je tabasse tout ce qui bouge. Allez hop. Dès que je peux finir un mob, j'invoque une arête. Dès que je peux finir un mob, j'invoque une arête. J'ai. Ouais, c'est bon, si j'ai utilisé les bonbons. Hein. J'ai peur, je pensais que je les avais pas utilisés. Sur les deux sadis, j'ai bien utilisé aussi. Ok, c'est bon, nickel. Je vais passer avec les sadis parce que du coup, il n'y a rien à faire. Encore une fois, d'habitude, je joue en qualité inférieure. Mais vu que c'est en vidéo, je mets qualité moyenne. Voilà. Parce que qualité haute, je vous cache pas qu'en 8 comptes, c'est assez violent. Et plus le record en fait, surtout. Parce que c'est ça limite le plus chiant. Hop, téléfrag, téléfrag avec le sort éviction. Je prends cher. Hein. Mais ça cause des tromperies. Des tromperelles, pardon. Des tromperies. Elles font. Trop mal avec leur poison. Il va falloir que j'invoque. Hein. Là, je vais invoquer parce que je sens que je vais finir quelqu'un. Allez, c'est n'importe quoi. Heureusement que j'ai pas crit. Je crois que je le finis. Enfin, je crois que mon arc le finit. Allez, s'il te plaît. Faut que je finisse rapidement.
Ah là, je finis au cac si je crit. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout. Prochain tour, plastron. Mon crâne a déjà invoqué une arachne. Ouais, non, même pas. Je sais pas quoi faire. Flamiche, combien? 800? Non, c'est pas possible, ça. Ok. Mais normalement, deux pouces, ça marche aussi, hein. Je vois pas pourquoi je me prends la tête. Deux pouces, ça marche, voilà, hop. Deux pouces, ça marche, ça marche, ça marche. Bon, lui, il avait 60 PDV d'un coup, il a je sais pas combien. Donc, des tromperelles, allez, allez, go, 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 là. Go, 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 smogogo. Il faut que j'invoque... Tu peux... Bah non, ouais, c'était avec les nus que j'avais invoqué. Oula, elle fait un bruit bizarre, elle. Si je fais vivacité, je crois que je me soigne, non? Non, c'est bon. J'ai peur. Ok, pour le moment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si je fais une petite arachne, que je fais mot d'abnégation et que je tape à distance là, normalement elle le tue. Et hop les... Vous vous rendez compte qu'on va faire un Ouga en tuant juste avec des arachnes. En plus, je peux pas m'auto-soigner avec Lenny, donc... Non, ça va, Lenny, hein, frère. En vrai, elle est bien, elle est bien. Regardez, le panda. Non, mais je prends trop cher, le panda. Hein. Je pense que là, je vais clamser avec le dada. Bah, logique, je peux pas le lancer dessus. Champman. En vrai, j'ai trop peur de fail le châle au dernier moment. Ça m'est tellement arrivé, surtout main propre en fait. Le yop, j'ai déjà invoqué une arachne. Ah bah, elle est juste là, l'arachne. Ok, allez. L'arachne là, il devrait finir, non? De toute façon, il a intérêt, sinon... Sinon, je lui fais du sale, hein, l'arachne. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je rigole. Ok, mais alors lui, bon... Je vais pas essayer de me prendre la tête à l'insulter parce que ça ne rimerait à rien. Bon. Dada qui crève quasiment. La règle, j'en ai une ici. Pff, je me fais tacler de partout, c'est horrible. Un chaffer peut-être. On fait confiance au chaffer. Moi, je fais pas confiance, c'est pour ça que j'en invoque pas des chaffers. Voilà, voilà, vous avez la réponse devant vous, hein. Voilà pourquoi je fais pas confiance. J'ai jamais vu, qu'est-ce que c'est que ça, je vois même pas les... Oh, le jeu, quoi, oh là là. Je vois même pas les animations de sort. Je vois pas si j'allais le tuer ou pas, c'est bugué. Bon, on va soigner. Ouais, parce que les nuits il peut soigner, les gars, au cas où. Si vous ne le saviez pas. Et il soigne même plutôt bien. Bon, je vais full soigner ici. Là, il y a un arachne, je sais pas si... Non, il pourra pas finir. Le combat commence à être long, quand même. Il commence à être long. Ah oui, parce que t'as des invoques qui veulent pas tuer, quoi. Et le pire, c'est que tu sais pas pourquoi. Encore si t'aurais... Ah, attends. Allez. Merci, mon dieu. Il reste combien de mobs? 4? En vrai, ça va, hein. 4 mobs. Surtout que là, t'as des mobs. Allez, il reste plus beaucoup de points de vie, quoi. Si je fais un T, ça fait quoi? J'ai la libé ou pas? Parce que si... Bah non, forcément. C'était trop demandé, je crois. Je vais... Allez, s'il te plaît, arrête. Oh yeah, baby. Il reste plus que 2 maps, c'est ça? Non, 3 en fait. J'avais mal vu. 1, 2, 3. Ouais, parce que lui, il était tout en bas. J'avais pas tilté. Mais bon, ça va être très rapide. Hein. Là, la tromperelle, elle va crever si j'invoque un chef fer éventuellement.
Ah, pas un chafer, parce que les chafers, c'est la mort. Arachne, allez, allez, s'il te plaît. Mais non, mais non, mais non, mais non, non. Bon, c'est pas grave, je tue avec mon libération pour être sûr. Coup de cac à combien? Ça va. Ok, en plus on crit quand même. Hey, applaudissez tout de même, les gars. Hein. Je soigne qui là? Hop, 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 hop. Bon, après, j'ai rien d'autre à faire. L'ennemi, j'aimerais bien soigner le Kra parce que la vita du Kra est ridicule. Ok. Est-ce que je peux finir quelqu'un? Alors, mon arachne. Oh là là. Pas les PM, pas les PM. Jamais les PM, moi. J'ai jamais les PM nécessaires. Il me manque un PM. Bon, c'est un peu ça qui est chiant avec l'idole Ulu Magistral. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut du pain? Qu'est-ce qu'il veut? Donc 230 points de vie. Regardez le nombre de PM qu'ils ont, c'est des tofu. Alors. Bon, au moins on aura fait du double châle. Hein. En vrai, je crois que lui il peut le finir, c'est ça le pire. L'arachne. L'arachne en mode. Attendez, bah oui, je crois. Ah non, attendez, si je fais ça, je crois que ça tape comme si c'était au cac. J'ai pas envie de risquer. Vide moi, je risque pas le coup, c'est mort. Je peux invoquer une arachne justement. Si je fais tir critique. J'ai boosté l'arachne, hein, au cas où si vous avez pas vu. Et je vais taper ici. Et là c'est sûr, c'est fini. Et bah, du coup il me reste plus qu'un champignon. Qui va crever normalement. Qui va crever, je sais pas trop comment. Mais qui va prendre du sale. Du sale, mesdames et messieurs, du sale. Je peux invoquer ou pas? Je peux invoquer un chafer. On tente le coup, de toute façon on n'a pas le choix. C'est dommage, hein, je crie pas non plus. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, 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 chafer, allez, allez, crie. Damn! Damn, les gars. Allez, Minowang. Le mec, il a trop pris la confiance, c'est depuis qu'il a drapé Minowang. Ok, encore bah, 100 millions d'XP. Que voulez-vous, c'est très très bien. 13 minutes par contre, c'est très très long. Mais bon. Au moins, je prends 100 millions par capture, c'est énorme. Et je me dis que les deux sadis seront 200 demain. Hein. Donc soit je vous ferai une vidéo up 200 en direct. Ou soit je ferai autre chose, je vous montrerai directement les stuff. Alors il me reste combien de captures? Il m'en reste encore 14. Hein. C'est dingue. Ok, je peux pas lancer ici. Ici, je peux la lancer. Allez, j'espère vraiment avoir du Blitzkrieg, histoire que je vous montre là, du one shot. Enfin, en soi, en fait, depuis tout à l'heure, je vous montre du Blitzkrieg en soi, hein, parce que le Ouga crève dès le T1. Là, ça s'est très très bien placé. Hein. Ils sont très très bien placés. Ça va être magique. Ah, c'est super là, comment ils sont bien placés. Le Ouga en tout cas. Hein. Mot vivifiant, je vais le mettre, je vais le mettre, je vais le mettre si j'arrive à le mettre. Mot vivifiant, oui. C'est la première fois du coup je vais l'utiliser de ma vie, les gars. Allez, allez, please, please, please. Qu'est-ce que c'est? Bon. Je pense que ce sera la dernière capture. Hein. Des châles tout cassés comme ça, moi j'en veux pas. Gardez-les. Je préfère jeter les pierres plutôt que faire ce genre de capture avec des châles. Bah, imprévisible, c'est le châle qu'il faut pas me donner. Hein. Très clairement. Nomade, pff, à la limite.
Éventuellement. Éventuellement, si jamais. Si jamais j'ai envie de tryhard le truc, mais bon. Je déteste Nomade aussi. En fait, je déteste beaucoup de Chal, hein, quand même. Versatile, pour moi, c'est vrai que c'est l'un des pires. Par contre, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, au pire, c'est pas grave. Non, normalement, j'aurais peut-être dû le tuer avec le Zobal, mais au moins, j'ai des points de bouclier. De toute façon, je le tue large. Bah, tant pis, hein, je vais faire du coup. Je vais faire Nomade, mais je vais essayer de faire en sorte que mes sadis crèvent, parce que j'ai pas envie de. À chaque fois, ce qu'elles utilisent leur PM. Mais c'est vrai qu'imprévisible, c'est vraiment. Je comprends pas pourquoi ils me donnent des châles comme ça. En vrai, j'ai des châles quand même assez pétés hein, depuis tout à l'heure, sauf le mystique là. Je vais peut-être donner des PM au Yop éventuellement. Alors, ça finit là, je pense. Normalement, enfin, si je crit, bien évidemment, vous connaissez la recette. Ouais, c'est bon. Regardez le nombre de PM que les ennemis sont en train d'avoir, c'est assez dingue. C'est le seul truc chiant de cette compo en fait. Mais bon, faut bien un truc chiant, vous me direz. Hein. Les mobs sont pas non plus. C'est pas la mort quoi. Bon, là par contre, ils sont hyper loin quoi. Bon, bah, du coup, je vais en profiter pour me booster. Hein. Nos prises de tête. Mais Zobal, je pense que. Pourquoi je vais donner des points de bouclier à lui? Je vais tuer. J'ai tué un Zobal. Avec les nuits, ouais, non, j'ai trop de vie et tout. Ah, mot vivifiant, je vais le faire. On va donner PM. Je peux le faire combien de fois? Ah, une seule fois par tour. What? Ah, bah oui, je suis bête. Oh là là, quel con. J'aurais dû faire, ouais. Non, mais en fait, je pensais que je l'avais fait, mot galvanisant, mais je l'ai pas fait. On va donner du Rox au Kra, on va donner du Rox au Yop. On va donner des points de bouclier au Panda. Et c'est parti pour un tour. Bon, la vidéo qui dure quand même 42 minutes. Bon, à la limite, vous savez, moi, ça me dérangerait même pas de faire une vidéo d'une heure, hein, tant que ça peut faire plaisir. Bon. Alors, le dada, du coup. Toi, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, va-t'en. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Non, parce qu'il y a des mobs, les gars. Oh là là, qu'est-ce. C'est même pas ils sont cancéreux, c'est plus que ça en fait. Ils sont là, ils sont tout le temps là à te coller. Je sais pas ce qu'ils veulent. Je comprends les gens qui veulent la jouer distance, les gars. Parce que en Kama, ils créent des mobs frustrants. Et c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais bon, quand vous avez une team, voilà, vous balancez du moins 4000. À la limite, c'est pas dramatique. Au cac. Je pense que je vais laisser Champagnon au Zobal. Je vais m'occuper de l'autre là-bas, là. Champagne. Champagne. Champman. Champman. Oui, parce qu'il y a un coup de cac et un coup de zénith, et c'est terminé. Nos prises de tête, les gars. Nos prises de tête. Lui, c'est pareil. Normalement, si je crit, normalement, juste avec des furias, il va prendre le tarot. Bon, c'était quand même assez rapide, hein. Vous savez quoi, lui, je vais le terminer. Comme... Non, mais comme ça, il va pas. Ah, c'est bon, je peux donner des PM? Oui, pendant combien? 3 tours, c'est ça? Pendant 3 tours, mot vivifiant. 2 PM, ça coûte 1 PA. Oh. Je suis sur une autre planète là, les gars, c'est pas possible. Je vais me donner des PM, je sais pas si. Ouais, non, ça craint. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, la libé à la limite à la fin.
Allez, allez, éventuellement. Mastic est toujours dans la place. Bah tiens, c'est 2 PM, c'est parfait, merci. Bah là, j'ai juste à me booster. Et on va se booster, c'est parti les enfants, hop hop hop. Alors, il avait combien de PM de base? 25. Ah, je m'attendais à pire. Ouais, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mais je comprends pas. Pourquoi tu fuis? Ah, les mobs qui fuient, j'ai envie encore plus de les tuer en fait. Je vais me soigner peut-être, ça serait intéressant. Panda, il a vraiment plus beaucoup de points de vie. C'est dans ce genre de moment où vous dites oula, ça craint, parce que c'est dans ce genre de moment où vous êtes inattentif et où ça craint pour votre life, les gars. Mais je vais porter jeter. Enfin, on va dire, je sais même pas pourquoi je fais ça. Il a encore 30 millions de PM. Parce qu'en fait là je peux toujours pas y aller en fait, je peux toujours pas le choper. Mais bon, quand il sera à mon cac là, je pense qu'il comprendra la souffrance. Le mot souffrance il... Ah bah voilà, bon bah. Le mob est pas très fut-fut a priori. Et voilà, quand je vous dis que mon Zobal, quand il tape au corps à corps, il fait mal, c'est pas pour rien. Parce que c'est la vérité. Je viens de taper du 4000. Bon, no fail. Nomade, c'est bon, c'est validé. 81 millions, 7 minutes. Pas dégueulasse, pas incroyable. On est sur du 10 millions par minute d'XP. Donc c'est rentable. Voilà. Allez, on va en relancer une. Une ou encore d'autres, hein, qui sait. Le Oga est très très mal placé, c'est dommage encore une fois. Un combat sur deux, il est mal placé quand même. Hein. Oula, j'ai failli oublier ma deuxième Sadie. J'allais pas assumer. Hein. J'espère un bon châle. Enfin, deux bons châles. Ce serait le mieux. Si vous êtes gentil, vous me donnez un bon châle. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? S'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont gentils? Je ne commenterai pas. Non les gars, n'essayez pas d'attendre que je vais rager, je ne commenterai pas ce qui vient de se passer. J'ai même pas envie de dire le nom du châle, mais bon, se le taper quand même deux combats d'affilée, l'habitude. Non, en vrai, je fais un peu l'hypocrite parce qu'il y a des fois où je me tape vraiment des super châles. Bistrix, je me suis quand même tapé en, allez, en 15 ou 16 donjons, je me suis tapé quand même pas mal de fois, donc faut pas faire l'hypocrite quand même. Hein. Mais c'est dommage que ça arrive en arène parce que du coup là je suis en train de farmer les captures et j'aimerais bien du full peck, c'est tout. Mais bon, moi là dans cette capture là je vais même pas me prendre la tête, je vais essayer de faire un record temps, tiens. Ouais, enfin un record temps en arène, je sais pas. Hein. Je crois que j'ai déjà mis combien, 4 minutes et quelques ou 5 minutes en donjon. Ouais, mais le donjon, les mobs sont bien plus proches, c'est beaucoup plus simple. Surtout que là, regardez, le Ouga est très mal placé, donc je l'ai pas tué tour 1. Ça veut dire qu'il bah, il va rendre fou, en fait, tout simplement, il rend dingue. Il va kicker des PA ou c'est un rêve? Je peux vivre qu'une fois, tant pis, c'est pas non plus la mort. Il
Je l'ai debuff, je l'ai porté, je l'ai jeté, je l'ai vu une fois et je l'ai stab. C'est déjà quand même pas mal sur un tour entier. Ok, bon. Après on a un châle, c'est circulé plus 40%, mais c'est pas non plus... Y a mieux quoi, on va dire ça comme ça. Alors faire un record temps, là ça m'étonnerait. Parce que comme je vous l'ai dit, là on est déjà un tour de retard en fait. Vu que les mobs sont trop loin. Ah le Ouga, qu'est-ce que je le kiffe. Le Ouga. Oui je le kiffe aussi, non je voulais dire le The Ball. Je le dis tout le temps mais c'est vrai que je l'adore beaucoup. Parce que c'est une classe qui est sous-cotée en fait. Le The Ball j'ai pas mode abnégation si. Si si je l'ai. On va donner au Yop et au Dada. Allez, allez, là ça va être nos prises de tête, nos châles du coup. Ah, j'ai pas vu là, il y a un champignon juste à côté là. Oh là là, pourquoi il m'entoure eux? C'est un champignon juste à côté, faut que je me fasse plaise. Parce que c'est... Ouh, oh les pans d'attaque à 2000. Bon, on approche de l'heure de vidéo. Tout de même. Ah, c'est dommage. J'ai pas balancé de... d'épée maudite alors que je suis en ébu bas. En ébu haut, pardon. Bon, comme d'hab, vous voulez voir du Rox péter. Eh ben il suffit de demander. Parce que des épées divines à 1800, vous en verrez pas tous les jours. Oui oui, épée divine, hein, le sort de boost, soi-disant. C'est soi-disant un sort de boost. De ce qu'on m'a dit. Alors, combien de PM? Ouais, j'ai la flemme de compter. Ouh, je commence à être mal niveau. Alors, l'ennemi, est-ce qu'il peut finir à lui tout seul le champ? Bah, s'il avait double vue, oui. Mais là, je l'ai pas. Donc, ouais, non, ça va être mort. Mais le Dada, je sais pas, il a combien de PM. Ouais, ouais, forcément. Oh, le Dada qui est énervé là. Allez, parce qu'un dada bloqué, c'est un dada énervé. Au cas où si vous ne le saviez pas. Je parlais de record temps, mais MDR. MDR. Qu'est-ce que vous voulez faire du record temps avec des mobs qui ont 40 PM? Là c'est une capture complètement cassée hein. Complètement claquée même. Je sais pas en fait, le panda en fait, depuis tout à l'heure, il est là, j'ai l'impression, il sert à rien. Enfin, je veux dire, il bouge pas en fait. Les mobs, ils fuient, mais mon panda bouge pas, il porte pas. Donc c'est pour ça que là, je prends le panda et j'essaie de faire ce qu'il faut, quoi. Parce qu'il est temps de finir ce combat. Qui aura duré une plombe, d'ailleurs. Regardez. Hein? Ah, il me tue, ce mob, il me tue. Pire qu'un cra. Allez, toi, barre-toi. Bon, le Yop c'est pareil, hein. Mais le Yop c'est exactement le même. Il est là, il bombe partout, mais en fait il sert à rien. C'est ça le problème. Dans cette fin de combat, hein, je parle pas du. En général, il est là, il bombe partout, mais en fait les mobs ils ont trop de PM du coup. Ça sert à rien. Bon,
7 minutes, absolument minable. 64 millions d'XP, minable aussi. Cette capture aura été une erreur totale du début à la fin. Ce qui est assez dramatique tout de même. Bon, on va sans doute lancer la dernière capture, les gars, puisque je suis à 1 heure de vidéo du coup. Et que je vais pas non plus faire 3 heures de vidéo. Le gars est bien placé. Le gars est bien placé. On va essayer de finir sur une bonne note. Espérons avec un double châle. Parce que pour le moment, les gars, j'ai jamais eu de double châle énorme, hein. J'ai eu des doubles châles que j'ai réussi en début de vidéo. Mais j'ai pas eu 200% encore dans ce combat. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment très très dommage. Alors, qu'est-ce qu'on nous offre? Bon, allez, c'est bon. Non, honnêtement, je pense, les gars, il est temps d'arrêter cette vidéo. Le 1 est très bien, le 2. Voilà. Mais il est temps d'arrêter cette vidéo, effectivement. Il est temps. Pour le bien de vous, hein. Enfin, pour votre propre bien, je veux, hein, j'ai envie de dire. Parce que pour le bien de vous, ça se dit pas trop. Et pour votre propre bien, il est temps de. Enfin, pour mon bien aussi à moi, hein, parce que je vous cache pas que. De toute façon, je vais arrêter de filmer juste après. J'aurai des chats genre Blitzkrieg mystique, mais bon. Je vais quand même me plastronner dès maintenant. C'est pour vous que je fais ça, les gars, hein, parce que. Certains vont sans doute péter un câble à force de voir des châles. Enfin, c'est tout le temps les mêmes, quoi, donc. Tout le temps les mêmes châles ridicules. Si j'ai encore le châle imprévisible au prochain combat, même si j'ai Blitzkrieg à côté d'imprévisible, j'abandonne la capture et je reviens. Quitte à sacrifier une capture, c'est pas grave. Je serai en mode rage quit sans doute, mais. Non, mais il y a un moment, je pense que ça va 2 minutes, hein. Vous serez d'accord avec moi. Vous lancez 3 captures d'affilée, vous avez châle imprévisible, soit le pire châle du jeu, selon moi, avec économe, mais économe encore, ça donne 280 ou 300% de châle, donc c'est compréhensible. Mais le châle imprévisible, il y a rien à faire avec ce châle-là, en fait. On peut rien faire, en fait. C'est un châle, en fait, sans âme, en fait, si j'ose dire. C'est un châle où je sais pas pourquoi il a été créé, en fait. Je comprends pas l'intérêt parce que du coup vous pouvez taper qu'un seul mob à la fois en plus. Enfin bref, c'est. Ridicule malheureusement. Ouh, 3100 kak. Pas mal. Pas mal, pas mal. En fait, je pense que limite, j'aurais dû mettre le... Attendez. J'aurais dû mettre le Lidl PO en fait, hein. Franchement, bah, quand je vois que là je suis tout le temps à une case des ennemis, quoi, c'est laborieux. Mais bon, c'est le risque, hein. Enfin c'est le sacrifice. Quand vous jouez en Lidl corps à corps, c'est tout, hein. Il faut se dire ça, quoi. Mon Krav va finir 2 mobs là normalement. En vrai le combat est déjà terminé. Ouais, j'aurais pu même en finir 3 je pense, enfin je sais pas. Le champagnon ça sera le... Bah de toute façon le Zobal il va se le faire tout seul, hein. Je vois pas pourquoi
Ouais, voilà. Oh là là. Bon, on en est où du coup? On passe. Non, non, je suis trop loin du record temps. Les mobs ils fuient trop. Je peux pas de. Je peux pas, les gars. Je peux pas. Combien? Ça va être nul, ça va être nul. Naze, 4 minutes 53. C'est naze. L'XP est naze. En fait, je dis l'XP est naze, mais c'est parce que je me tape. Ah bah, une heure de vidéo du coup. C'est parce que je me tape un châle naze. 55%. Et je vous assure, les gars, les 15 captures que j'ai. Enfin, les 15 donjons que j'ai fait, du coup, les 15 captures au final. J'ai. Tout simplement. Eu des châles assez incroyables, tout simplement. J'ai eu très bon châle, vraiment très bon châle. Presque tout au long du donjon, et là j'arrive en arène, je me tape des trois fois imprévisible sur 5 captures à tout casser. Mais bon, que voulez-vous? Du coup, bah les gars, en fait, je suis quasiment niveau 200. Il me reste plus que 600 millions d'XP. Vous savez quoi? Je vais encore faire. Je crois que j'étais à 1 milliard ou à 1 milliard 1. Je vais encore faire une capture, allez. Juste pour vous, les gars, pour ceux qui continuent de regarder cette vidéo. Je vais en refaire une, parce que vous me donnez envie d'en refaire une. Et puis parce que j'adore ça, en fait, j'adore farmer. Je vous assure, je me plains énormément là dans cette vidéo, mais j'adore, j'adore. C'est pas parce que je me plains que j'aime pas, hein. Des personnes qui ne comprennent pas ça. Me plaindre, des fois, ça me motive. C'est étrange, mais ça me motive. Et puis c'est comme ça. Les nus... Lenny, elle est où? Elle est là. The ball. On met pas le PO du coup. On prie pour ne pas avoir un prévisible. Ah. Comment vous dire? J'abandonne. Voilà. J'abandonne. J'en ai ras le cul, en fait. J'en ai juste ras le cul. Voilà. Vos châles pétés, vous voulez garder. Non, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Partage. Déjà que c'est à la limite. À la limite. La limite, hein. Partage, pour moi, c'est ma limite à moi. Mais vous me donnez statut avec. Gardez-les. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, comme je vous l'ai dit, hein, j'aurais dû arrêter même cette vidéo il y a bien longtemps. Vu la tournure des événements. C'est pas grave, hein. Une capture Ouga, qu'est-ce que j'en ai rien à branler. De toute façon, le donjon en soi, je le fais en 40-50 minutes peut-être. Enfin, 50, sinon c'est peut-être un peu trop. On va dire 30-40 minutes si je suis vraiment hyper rapide. Ouais, 30, pff, ouais, 30-40 minutes. Ouais, 30 minutes large en fait, hein, finalement. C'est juste qu'il y a pas mal de salles, il y a un moment il faut se séparer, mais c'est tout. J'espère que ce farming vous a quand même assez plu. Du coup, bah voilà les gars, hein, je crois que j'étais à 1 milliard 1. Je crois que dans cette vidéo, j'ai pris 400, 500 millions d'XP. Avec le donjon, ouais, c'est sûr, j'ai pris 500 millions d'XP, je crois, du coup. En soi, c'est pas trop mal, c'est pas trop dégueulasse. Mais je m'attendais quand même à mieux, mine de rien. Plutôt déçu. En fait, je suis blasé parce que franchement, depuis le début de cette vidéo, je me tape des châles. Le meilleur châle que je me suis tapé, c'est... un châle casse-couille, c'est main propre, voilà. Depuis, au cas où, hein, si jamais il y a des personnes qui diront que je suis de mauvaise foi, 3 fois imprévisible, une fois statue, deux fois partage si je dis pas de conneries. En plus, je crois en donjon, je crois que je l'ai eu là il y a pas longtemps. Je me tape que des châles pourris, un châle statue, 3 imprévisibles, enfin bref, que de la merde en fait. Hein. J'ai eu que des bons, peut-être même 4 imprévisibles en vrai. Hein. Il y a un moment où j'ai eu mystique. Et là, bah, dernier que je lance, partage statut, c'est bon, gardez-les. Non, mais il y a un moment où je suis vraiment gavé. Je vais faire une pause. Je rejouerai ce soir, parce que là, franchement, pff, si c'est pour me taper des châles pétés, autant que je garde mes captures et que j'aille refarmer le donjon en soi.
Mais en soi, c'était quand même sympa, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore vraiment farmer. J'ai pris énormément de plaisir, en fait, à farmer le donjon Ouga. Mais c'est vrai que là, les captures, pour le coup, bah malheureusement, je prends pas de plaisir, il faut dire ce qui est. Je vais juste regarder les clés Ouga, mais si je dis pas de conneries, hier, il y en avait même plus par 10 ni par 100. Ah, là, il y en a par 10, mais le prix est vraiment abusé. Les 100, je les avais achetés 800 000, hein, la première fois. 800 000 Kama les 100, je crois, ou 900 000, je sais plus. Après, regardez, hein, le prix est totalement légitime. Entre guillemets, parce que Dolomite ça coûte assez cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Joystick. Et puis bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous êtes resté jusqu'au bout. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi qui sont les Warriors dans cette vidéo. Et puis bah voilà les gars, si vous voulez d'autres vidéos où ça dure une heure, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il suffit de me le dire dans l'espace commentaire. Je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne soirée. Ciao. Bye bye.